C'est dans son état du Delaware et en direct devant les caméras de télévision que le président élu des États-Unis, Joe Biden, a été vacciné contre le Covid-19 ce lundi. Nous devons beaucoup aux scientifiques et aux personnes qui ont mis tout cela en place, a-t-il dit. C'est tout simplement incroyable et j'aimerais que nous ayons le temps de vous faire visiter tout l'hôpital pour voir à quel point ils sont tous incroyables. Il faut donner un certain crédit à l'administration américaine pour avoir fait démarrer l'opération Warp Speed. Cette opération est un vaste chantier logistique mis en place par l'administration Trump pour développer puis distribuer les vaccins en un temps record. L'horizon semble aussi se dégager sur le plan législatif. La Chambre des représentants puis le Sénat ont approuvé un gigantesque plan de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars, soit 737 milliards d'euros. Après des mois de blocage, démocrates et républicains sont parvenus à se mettre d'accord sur un ensemble de mesures, chèques aux familles les plus vulnérables, aide aux petites entreprises et aux écoles, ou encore allocation chômage supplémentaire de 300 dollars par semaine.